J'en ai pas besoin. Carrément. Un coup. J'ai pas pu dire un mot de plus. Il n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin. Et puis ensuite, au verset 18, ils saisiront les serpents. Là, il me demandait alors combien de serpents j'ai déjà saisi. Non, ne posez pas ce genre de questions. Si bon quel breuvage mortel, rien ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En fait, je ne sais pas sur combien de serpents j'ai mis pied sans qu'ils me fassent rien. Parce que ces choses-là, ça pullule. Et je mets les pieds dessus. Je marche sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, je marche dessus. Je ne sais pas combien j'ai déjà tué. Mais ce que je sais et qui est sûr, ils imposeront les mains aux malades et ces derniers seront guéris. J'en ai imposé tellement. Je ne peux pas compter. Et beaucoup sont guéris. Gloire soit rendue à Jésus. Que sa parole est la vérité. Et la même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que mes amis de Palimé sont là? Il y a quelques deux ou trois semaines, j'étais à Palimé et j'ai encore imposé les mains. Et des gens étaient guéris spontanément avec des rires et puis des acclamations. Là, soit rendu à Dieu. Ça, là, au moins, on sait qu'on a fait. C'est pas là, on ne sait pas. Mais même là aussi, on parle. Ça, c'est bon. C'est très bon de parler. Ça devient tellement doux qu'on n'a même plus faim. C'est comme manger. Alors, au 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et au verset 20, eux, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui se révèle ici. Même si je ne fais plus le cours de ce soir, il y a un mot qui est sorti ici. Si tu ne t'en vas pas, parce qu'il a commencé au 15. Puis il a dit, allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, à la fin, il dit, eux, ils sont partis et le Seigneur travaillait avec eux par les miracles qui les accompagnaient. Point. Donc, si tu es un chrétien de l'église et tu ne vas nulle part, tu ne verras rien. Il n'y a pas de miracle de Dieu. Ok? Bon, c'est ça. On va commencer par là. Alors, transformer pour chercher à atteindre les laïcs par l'exercice des dons, pas l'exercice du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai pris ça autrement. Transformer pour chercher à atteindre l'ultime dimension. Parce que j'ai aimé la manière dont Demo Chakaria, le fondateur, a vu la chose. Il n'est pas un gourou, non. Mais il a une vision. Vraiment, Dieu lui a confié ça. Il a vu cette ultime dimension qui va venir. Et la prophétie était sortie la nuit là, de 1954. Mais après, il a revu cette vision où il y avait des guérisons et tout. Alors, je vais faire ça comme ça. Ce n'est pas très aussi transformé par les principes spirituels de la nouvelle naissance et du baptême dans le Saint-Esprit. Amplifié et exercé dans le spirituel, ça veut simplement dire la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, le dernier point, exercer les manifestations du Saint-Esprit. Voilà le dernier point. J'ai pris ça comme ça, comme j'ai revu mon enseignement sur ces sujets que j'ai corrigé et j'ai ramené ce qui convient à cette séance, à ce thème de vie transformée. Donc, un, je vais vous rappeler rapidement la nouvelle naissance. Beaucoup d'églises aujourd'hui négligent la nouvelle naissance. Beaucoup de congrégations négligent la nouvelle naissance. Mais c'est le point de départ parce que l'Éternel dit que nul ne peut venir à lui sans passer par la porte de la bergerie. Si tu ne rentres pas par la porte, tu n'es pas du troupeau.
Soyons clairs. Ce n'est pas le fait d'avoir fait 20 ans dans une église. Je me souviens d'une personne dans cette même salle. Par un appel que j'ai lancé, je ne sais plus exactement ce qu'elle a entendu dans l'appel. Parce que des fois, nous qui prêchons aussi, nous ne disons pas exactement ce que les gens peuvent entendre. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle a entendu. Elle est venue jusqu'à moi ici et je voulais faire l'appel au salut. Et j'ai voulu faire répéter la prière du pécheur et elle me souffle dans l'oreille. Et j'étais un peu choqué. J'avais que deux choses à lui dire. Bien, tu peux aller t'asseoir. Mais tout de suite, une phrase m'est venue dans la tête. Et la phrase me disait ceci. Mais si tu t'es levé de depuis derrière pour venir devant, c'est que Dieu veut te faire quelque chose de spécial ce midi. Ah, c'était pas midi, hein. C'était dans la nuit, c'était à une veille ici. Et elle est restée. À peine on a commencé la prière, oh mes amis, elle a souffert. J'avais pitié. Elle a souffert. Comme quoi, Dieu l'appelait. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ça. C'est Dieu qui l'a appelé. De venir recharger sa batterie. De venir renouveler sa grâce. Et déjà, hésite à venir renouveler la grâce. Les gens refusent d'aller recharger la batterie. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir reçu Christ. La Bible est claire. Il te positionne enfant lorsque tu as cru et tu l'as reçu. Jean 1, le verset 12. Pas enfant comme tu es né de sang et de chair, mais il te positionne. C'est un positionnement, c'est un pouvoir. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seuls ceux qui ont l'Esprit du Christ sont habités par Christ. Seuls ceux qui ont reçu Christ sont habités par l'Esprit du Christ. On dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que Christ est un. Et la Bible va jusqu'à dire dans 1 Jean 5, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, maintenant, ne pas recevoir Christ dans une église pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, on va vers où? Vers la mort. Et donc, nous devions construire sur le roc et non sur le sable. Matthieu 24, 27. Seuls ceux qui ont reçu Jésus ont la vie du Christ en eux. Ça, on ne peut pas me l'enlever de la tête. Tu peux aller à l'église 40 ans comme ma maman allait à l'église. Un jour, elle a reçu Christ. Dans une grande rencontre, elle s'est levée. Elle a reçu Christ. Elle a cessé d'aller faire les cérémonies de la grande-tante dans son village. Je ne sais pas ceux qui comprennent ce que c'est que la grande-tante. Elle, on ne peut rien faire dans la maison sans la grande-tante. Elle était la grande-tante. Voilà. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu Christ qu'elle n'a plus peur de fétiches de ses parents. Et Dieu merci. Toute leur grande maison de riches qu'ils s'étaient, est en ruine maintenant, à Ouida là-bas. La dernière fois, je me suis arrêté, je suis descendu de ma voiture, j'ai regardé la ruine. J'ai dit, voilà ce que Satan fait. Il te met en haut, par l'échelle, et puis il enlève l'échelle, et il dit, descends. Descends. Il te fait grandir. Tu es grand, grand, grand. Et puis il enlève l'échelle. Et descends. Ton temps est fini. Ah oui, mais c'est ça. Ma maman a reçu Christ avant de mourir. Grâce soit rendue à Dieu. Et toute ma famille maintenant a reçu Christ. On n'a plus aucun qui n'a pas reçu Christ. Oh Dieu merci. Marc 16, 15, 16 est fondamental. Et l'on ne peut se limiter au baptême d'eau et à la confirmation. Je n'attaque à aucune congrégation. Je suis en train de dire ce que la Bible a dit. Ton baptême et ta confirmation, c'est rien. Il faut aller un peu plus loin. Savoir d'abord si avant le baptême là, tu as reçu Christ. C'est ça le fondamental. Elle est la présidente de la grande chorale et de la grande église de la ville là-bas. La présidente de la grande chorale, hein,
Mais sans Christ, c'est zéro. Vraiment zéro. Alors, Jésus a dit au docteur en théologie, docteur de la loi, qui s'appelait Nicodème. Lui, il connaît toute la loi, il connaît Dieu même. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, tu finiras par connaître un peu Dieu. Il connaît toute la loi. Et puis il lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et tes bienfaits, tes attitudes, ton comportement, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut ne jamais insulter, peut ne jamais tuer une mouche, rester tranquille, toujours sourire. On dit, mais monsieur-là, il est bon. Et il est vraiment de Dieu. C'est faux. C'est plutôt un démon qui dérange. J'ai déjà vu un cas pareil. Quand j'ai foutu ma main sur sa tête, il a manifesté un démon que personne ne pouvait arrêter. Et parce que quand il tourne la main comme ça, il fait tomber tout le monde. Quatre personnes l'arrêtaient à gauche, quatre personnes à droite. Il faisait tomber tout le monde. Ce monsieur qui a toujours été calme. Je me suis demandé même s'il a tué une mouche une fois. Par contre, on a vu d'autres hein, qui insultent vite là. On dit, mais la mère André a repris, je crois. C'est lui là, reçu Christ. Ne dites plus ça. C'est pas parce que la personne insulte quelqu'un rapidement qui n'a pas reçu Christ. C'est pas là. C'est pas là les critères de la, du salut ou de la nouvelle naissance. Arrêtons ça. Il n'y a même pas un salumètre pour savoir. Chacun doit s'examiner. Chacun doit faire l'introspection. Est-ce que ce qu'on dit là dans la Bible me concerne? Est-ce que moi aussi je suis comme ça? C'est tout. Ne regarde pas à Koyo ni à Blanc. Où tu en es toi dans la nouvelle naissance? Nicodème a réfléchi, il est venu dans la nuit. Nuitamment, il s'est approché parce qu'il a honte. Qu'est-ce que c'est? Lui n'a pas compris ça depuis. Nicodème, sa barbe venait jusqu'au rein. Hein. Vous pouvez comprendre comme il a pris pour lire la Torah. Mais il est venu. Jésus, donc ainsi, cet individu de la parole de Dieu devait naître de nouveau pour s'assurer le royaume des cieux. Ce qu'on appelle communément être sauvé pour avoir le salut. Amen. Donc, nous allons prendre le point 2. On a fait le point 2. Le point 2, le baptême du Saint-Esprit. C'est quand on reçut le baptême du Saint-Esprit hier matin. C'était merveilleux. Très merveilleux. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps pour leur expliquer ce que c'est. C'est quand on reçut ça avec l'évidence du parler en langue. C'est quand on reçut sa manifestation. Mais moi, j'ai vu qu'ils ont reçu ça. C'est eux reçu même la prophétie. Mais tout ça, ce serait zéro s'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Claire et net. J'étais obligé, quand j'étais revenu, de m'approcher d'une soeur de lui dire, ma soeur, tu as reçu le pain de ce matin, chouchou. Ne t'attends pas que ça arrive encore comme ça. Peut-être exceptionnellement dans un cas que Dieu veut lui-même. Mais généralement, c'est à toi maintenant de parler. Parle! Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu et personne ne peut le comprendre. 1 Corinthiens, d'accord, 1, 2, recherchez l'amour, recherchez la charité, que ça ne commence pas. Mais recherchez aussi les dons spirituels, surtout celui de prophétiser. Et dans ce 1 Corinthiens 14, il est dit encore, n'interdisez pas à la fin ça, de parler en langue. Quand des églises interdisent ça, il dit, hey, il est mort déjà sur la terre quand il a interdit ça. Allez contre une parole de l'Esprit Saint. Laisse-le parler. Si c'est du faux, il parlera avec Dieu ce jour-là. Toi, laisse-le parler. Tu dis tu as le discernement pour savoir le faux parler en langue et le vrai parler en langue. Garde ton discernement pour toi-même. Ton discernement là, c'est bien. Alors, à un pasteur, j'ai demandé, tu es le seul qui a le discernement. Tu ne parles pas en langue. Tu ne pries pas en imposant les mains, les gens sont guéris. Il n'y a rien. Donc, ton église est malade, estropiée, bonne, tension, tout. L'église est là, ça. C'est à guérir. C'est une église à guérir. Je ne veux pas tuer. Je ne veux pas fermer les portes. Mais une église à guérir.
Et c'est à nous, le Full Gospel, d'aller guérir ces églises-là. Alléluia. C'est à nous d'aller guérir ces églises. Et j'y crois. Donc, il faut que chacun de nous, nous sachions que le Père est prêt à donner. C'est le Seigneur seul qui baptise. L'homme n'est que l'instrument qui apporte ce baptême, mais le Seigneur Jésus est celui qui baptise. Quand je souffle sur la tête de quelqu'un, et la personne commence à parler, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai fait que faire la touche. Je peux ne pas toucher des doigts. Je peux faire. Et c'est biblique. C'est biblique. Jean 20, 22. Bien 22, 20, je sais plus. Vous pouvez regarder. C'est biblique. Jésus souffla sur eux et il a dit, recevez. Est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas? Alors moi, je suis un disciple du Christ. Je ne suis pas un chrétien d'église. Le disciple du Christ peut faire tout ce que Christ a fait. Quand je souffle, je dis, reçois le Saint-Esprit. La personne a reçu ou pas? Et moi, je tourne le dos. Si toi-même tu dis que tu n'as pas reçu, ça fait quoi? La parole est claire. Et des fois, je vois la personne remuer, et va tomber quelque part. Seigneur, tu as écrit. C'est vrai. Ça devient un amusement hein, quand vous êtes habitué à ça. Ça fait une joie que de voir ça. Quand je disais à une personne ici, avant que tu ne quittes là jusqu'à matin d'ici, l'eau du journée va te toucher les pieds, tu vas tomber. La personne était tombée là. On va demander, mais oui, la professeur qui écrit. Être rempli du Saint-Esprit, on l'a fait, beaucoup en sont remplis. Ceux qui n'en sont pas remplis, il y aura d'autres séances, il y aura des chapitres qui vont vous aider. Moi ce soir, je ne suis pas venu pour faire le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis venu pour parler de la transformation et ce qui doit suivre. Alors le baptême, vous pouvez le trouver dans plusieurs passages de la Bible. Hein. Vous pouvez le trouver. Et la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est lorsque Paul est allé à Éphèse, il a trouvé des gens qui étaient vraiment des croyants. Ça, j'aime bien ça. Et il leur a posé la question, de quel esprit avez-vous été question lorsque vous avez parlé? Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est comme moi, il y a 36 ans, je n'ai entendu parler, mais je suis pratiquement allé à l'église. Est-ce que vous voyez ce que l'ignorance te fait? 36 ans, ça n'a jamais entendu parler. Et chez nous, on prie. Si tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas la viande sur le riz. Nous sommes de vrais croyants. Et on se moque des autres. Et à 36 ans, je n'ai jamais entendu parler du Seigneur. Ils ont dit qu'ils n'ont pas. Alors Paul leur a expliqué que Apollos était un disciple de Jean-Baptiste. Mais ce que Christ a amené aussi. Et après il les a amenés à l'eau. À la sortie de l'eau, ils se sont mis tous à parler. Alors, moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse. Même Pierre le Grand n'a pas cru qu'il fallait que les créants Dieu aient le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu lui a fait des démonstrations de tapis avec les choses qu'il ne faut pas manger. Mais il n'a pas cru. Il est venu chez le chef d'armée là. Il a commencé par parler de Jésus. Il n'a pas parlé de baptême dans le Saint-Esprit. Non, non, il parlait de Jésus. Dieu ne lui a même pas laissé le temps de terminer. Vlam, c'est tombé. Les gens ont commencé à parler en langue dans cette maison. Après, il est parti. On l'a convoqué. Les pères l'ont convoqué. Toi, là, ce qu'on nous a donné à Jérusalem, à nous, judaïsants, tu es parti partager au Créateur Dieu. Mais ça ne va pas. Là. Et il a expliqué, qu'est-ce que je peux faire? Si Dieu a décidé autrement. Amen.